Elles ont beau faire partie intégrante de la vie d'un jockey, les chutes de son mari causent toujours de belles frayeurs à Sophie Talman. Après un incident de ce type en août dernier, Christophe Soumillon est de nouveau tombé de cheval, dimanche 18 juin à Chantilly, lors du prix de Diane Longines. Dans une séquence sur la course hippique diffusée par l'émission 66 minutes, on peut voir l'ancienne Miss France assister à la chute de son homme. Paniquée pendant plusieurs secondes, l'ex-mannequin s'empresse alors de retrouver ses enfants qui observaient la scène sur un écran et se mettent à pleurer d'angoisse. Sophie Talman voit finalement Christophe Soumillon se relever avec difficulté et avouera aux caméras de 66 minutes que ce genre de chute survient presque chaque année. A l'avenir, la 68e Miss France pourrait donc connaître quelques nouvelles frayeurs, au moins jusqu'à la retraite de son mari.